Bonjour à vous, chers abonnés. Je parle pas trop fort parce qu'il y a du voisinage en fait. Donc je ne peux pas me permettre de crier ou voire même de parler vraiment trop fort. Du coup, on va faire cette visite ensemble. Vous allez voir que c'est un lieu qui est connu dans le monde de l'urbex. Je pense que les gens qui ont l'habitude de suivre, beaucoup de personnes qui font de l'urbex, reconnaîtront tout de suite ce lieu. Donc ça faisait un petit moment que je voulais venir ici. J'ai mis énormément de temps parce que je suis allé faire d'autres spots, bien sûr, bien entendu. Mais celui-là, il est encore accessible. Et vous allez voir qu'il est magnifique. Donc je vous emmène, j'espère que vous allez tous bien. Et puis, on est parti dans cette visite. Allez, c'est parti. S'il faut... je monterai le son s'il y a besoin. Donc voilà, on commence un petit peu par l'extérieur. Alors vraiment en très mauvais état, hein. Vous allez voir que c'est tout en train de se casser la gueule, hein. C'est vraiment en train de se casser la gueule de partout. Justement, apparemment, la personne qui habitait ici était architecte. On y va toujours doucement parce que on entend toujours des bruits. Ce qui est normal, hein. Donc voilà ce qui reste de la table de cette personne architecte. Vous voyez le bras là? Ce bras là justement pour arriver à dessiner proprement. Petite chambre d'enfant. C'est marrant parce que c'est un lieu que j'avais déjà pointé depuis déjà pas mal de temps. Et puis, les jours, les mois ont passé et j'ai jamais eu l'occasion de venir ici. Ce que j'espère, c'est que ça ne soit pas tout retourné. Il y a des gens qui ont quand même malgré tout rangé. Il y a eu des mises en scène. C'est pour ça que les pièces sont jolies. Vous allez voir par vous-même. Regardez-moi ça. C'est vrai que c'est vraiment très très beau. Alors c'est vraiment situé en bord de route, malheureusement. Mais il reste encore vraiment... regardez-moi ça, les bigoudis, pour les gens qui connaissent. Ah, c'est vraiment très très vieux, hein. Donc ça, c'est une chambre... je pense que oui, c'est ce qui donne pour aller dans la chambre d'enfant. Ces vieilles lunettes. Ah, oh, c'est tout en train de se fissurer. Ouais, c'est la maison bouge sérieusement là. Elle n'est pas très très grande.
Ah ouais. Ah oui, la cuisine, oulala. La cuisine est vraiment dans un sale état. Ah oui, c'est même limite dangereux. On va pas faire trop de vibrations, ni même trop de bruit, justement. Salle de bain, bah, forcément très vétuste, hein. Une chambre, encore une chambre. Bon, bien sûr, je vous laisse le clou du spectacle. En fait, on va dire la pièce la plus jolie à voir en dernier. Cette personne-là aimait essentiellement Fahrenheit, une collection de bouteilles de parfums. Il reste toujours des livres, il n'y a rien à faire. Pour les gens qui connaissent. Voilà. Allez, on va aller dans la super pièce qui, comme je vous l'ai dit, a été nettoyée. On va essayer de regarder quand même cette fois-ci. J'avais pas vu, il y a un oiseau. Il m'a fait peur, mais c'est pas possible. C'est un oiseau qui a voulu essayer de sortir. Bon, je pense qu'il se débrouillera. Il y a des fenêtres ouvertes. Si je pouvais trouver un aliment. Ça serait quand même bien. Alors, là, il doit y avoir une date. 2001. Je pense que vous devez arriver à voir. Je pense, j'espère que ça ne brille pas. 2001. Donc là, ça commence à faire. Voilà. Ce grand couloir. Et là, cette fameuse pièce, c'est impressionnant comme les gens l'ont bien, bien, vraiment bien nettoyée. Elle est vraiment magnifique, cette pièce. Voilà, il reste encore, par chance, quelques objets. Cette vieille télé. Vous voyez encore cette fresque, c'est vraiment magnifique, hein. Un tourne-disque, celui-là il est vraiment très très vieux. Puis on voit qu'ici ça a pas trop bougé en fait, hein. À part le parquet qui lui est en train de gondoler. Ah ouais, non, c'est très bien qu'il reste encore ce genre de d'objet. Regardez même ce qu'on retrouve. Jean-Marie Le Pen. Voilà. Voilà pour cette pièce magnifique. La porte d'entrée. Bon, on va monter au grenier. Je vais quand même aller faire un tour au grenier. Je prendrai comme d'habitude mes photos en dernier. Alors, j'avais vu une montée des escaliers. Oui, elle est montée. Parce que le problème, c'est que quand on filme. Malheureusement, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait.
Donc on va monter au grenier, mais avant, je vais quand même aller faire un tour. Ouais, c'est quand même dangereux là. C'est en train de tout se casser la figure. Il y a une partie là qui va tomber, je pense, sans tarder. Donc je vais pas prendre de risque. Donc là, c'est simplement un débarras. Rien d'extraordinaire. Ouais, c'est là, mais ça m'avait eu, hein. Allez. On va voir ce qu'il y a là-haut. Parce que parfois on trouve des choses intéressantes dans les greniers. Non. Ben, au final, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est pas la peine d'insister. Allez, c'est pas grave. On redescend. On va aller faire un tour dans la cave. Hop. Ouais, énormément de bouteilles de vin. Alors bon, c'est toujours pareil. Vu qu'il y a du voisinage, comme à chaque fois, et ben malheureusement, ce sont souvent les voisins qui ouvrent ce genre de lieu. C'est les plus proches, donc forcément. Peut-être qu'on va faire une découverte. On va bien voir. Ah, il y a pas mal de pots. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Bisulfite. Qu'est-ce que c'est que ça? Hydroquinone. Ok. Donc j'ai comme l'impression que ouais, il y a des produits dangereux ici. Là. Ah ouais. Bon, ben, je sais pas ce que faisait la personne ici, mais il y a quand même des produits dangereux. Bon, pour ce qui est du reste, je pense pas que ça soit nécessaire d'aller plus loin. C'est du fioul. Ouais, vous voyez, s'il reste du fioul, forcément, les gens, ils viennent récupérer le peu qui reste. Bon, on va faire encore un tout petit tour à l'extérieur. J'espère que vous aimez la vidéo. Parce que là, du coup, je prends un tout petit peu plus mon temps, quand même. Je crois qu'il y a encore une petite partie à l'extérieur qu'on va aller voir ensemble. Il reste des bouteilles de vin. Hein. Bon, à mon avis, elles sont toutes mauvaises. Parce que, vu dans l'état où c'est... Donc, il devait certainement y avoir des petites dépendances. Simplement des petites dépendances. Alors bon, il y a des photos. Il y a des photos, je sais pas si j'aurais bien le droit de les faire voir. Je flouterai s'il y a besoin. Regardez-moi cette petite salle de bain. Il reste encore tout. Ça n'a pas bougé du tout, du tout, du tout. Impressionnant. Puis alors vraiment,
Même les dentifrices, regardez. Les brosses à dents, pardon, sont restées. Le dentifrice est resté. La Bello. Bon, on voit bien quand même que c'est... C'est quand même assez ancien, parce que ce genre de choses, on ne les retrouve plus. En tout cas, pas sous cette forme-là, quoi. Bon. Je crois que j'ai terminé cette visite. Ça, c'est assez original. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller prendre mes photos. Je vous ramène dans cette super pièce qu'on a visitée tout à l'heure. Magnifique, avec cette fresque, magnifique. Voilà. Je vous laisse donc là-dessus. Encore une fois, j'espère que vous allez tous bien. Vous voyez l'oiseau là? Il est juste derrière moi. Ah mais c'est une hirondelle en plus. Donc j'espère encore une fois que vous allez tous bien. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, parce que du coup, comme j'aime bien aussi que les gens mettent des commentaires pour savoir s'ils ont aimé ou pas la vidéo, si c'était intéressant. Alors c'est vrai que j'essaye de maintenant de prendre plus mon temps, j'essaye de vous écouter, parce qu'au début, j'y allais beaucoup trop vite. Donc voilà. Ben écoutez, je vous dis sur un nouveau spot. Et puis ben écoutez, portez-vous bien. Bye bye.